Bonjour les élèves. Voici un dictionnaire. C'est quoi un dictionnaire? C'est un livre qui nous aide à chercher des mots. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le dictionnaire? On trouve les définitions ou bien les significations des mots. Donc, pour chercher un mot dans le dictionnaire, il faut d'abord connaître toutes les lettres de l'alphabet. De A jusqu'à Z. Il faut aussi connaître l'ordre alphabétique. Donc, comme vous voyez ici, on a l'ordre alphabétique de A jusqu'à Z. Et comme vous remarquez ici, on a la lettre D est écrite en majuscule. Cela veut dire que tous les mots qui se trouvent dans cette page commencent par la lettre D. Comme vous voyez ici, on a toujours deux mots en haut de chaque page. Les mots repères. Alors, à quoi servent les mots repères? Alors, les mots repères servent à vérifier si le mot que tu cherches est bien dans la page que tu regardes. Bon, si je veux chercher le mot évier, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le mot évier commence par la lettre E. La première lettre, c'est la lettre E. La deuxième lettre, c'est la lettre V. Et la troisième, c'est I. Donc, puisque le mot évier commence par la lettre E, je vais ouvrir le dictionnaire au début, au milieu ou bien à la fin. Donc, j'ouvre le dictionnaire au début. Pourquoi? Parce que la lettre E, c'est la cinquième lettre dans l'ordre alphabétique. Donc, je vais chercher le mot évier. Je cherche toujours, voici la lettre E. Voici la lettre E. Donc, je regarde toujours en haut, dans les mots repères. Donc, j'ai dit le mot évier commence par la lettre E. La deuxième lettre, c'est la lettre V. Donc, ici, dans les mots repères, on a E, D. On n'a pas E, V. Donc, E, F, E, F, E, G. Je tourne encore. Je tourne. E, N, E, N. Je tourne encore. E, S, E, S. Je tourne. Je tourne. Voilà, ici on a EU. Donc, ici dans la deuxième lettre, on a la lettre U. Donc, la lettre qui suit la lettre U dans l'ordre alphabétique, c'est la lettre V. Et ici, on a EX. Donc, la lettre V se trouve entre U, pardon, et X. Donc, le mot évier se trouve dans cette page. Donc, E, évasion, éveillé, événement, éventail, évidemment, évident, et voilà le mot évier. Donc, voilà l'article du dictionnaire. Ça, c'est un article du dictionnaire. Le mot évier, c'est quoi? Quelle est la nature du mot évier? C'est un nom masculin. Un évier est une sorte de bassin fixé au mur d'une maison et qui a des robinets et un trou pour que l'eau s'écoule. Va voir la maison, la page 360. Voici la page 360. On cherche évier. Où est cet évier? Donc, l'évier se trouve dans la cuisine. Voilà la cuisine et voici l'évier. C'est ça, l'évier. Donc j'espère que vous avez bien compris comment chercher un mot dans un dictionnaire. Apprenez bien l'ordre alphabétique et à bientôt.